Et bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3 et bienvenue une semaine de plus à notre crypto rapport, le tout en direct de notre canal YouTube, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et spécialement dans cette émission ici, nous allons exclusivement parler des cryptos et bien sûr du Bitcoin, Ethereum et tout ce qu'il y a. Derrière, comme autres altcoins et bien sûr de la technologie blockchain, nous allons voir bien sûr au programme qu'est-ce que nous avons. Nous allons commencer par la revue des faits divers de la semaine. Il y a eu énormément de faits durant cette semaine, donc là j'en ai vraiment, vraiment, vraiment gardé vraiment les principaux. Donc on va rapidement les passer en revue et on va s'attarder, comment dirais-je, sur l'intitulé et. Un paragraphe parce qu'il y a énormément de choses à voir donc numéro 1 ici un article en espagnol de crypto noticias on a ce qu'on appelle les atomic swaps et donc on va bien sûr en toucher un mot on va parler de ça rapidement ensuite numéro 2 on a encore un article qui vient toujours de Crypto Noticias Et vous avez bien vu que dernièrement, on a eu beaucoup de problèmes au sujet, des, euh, problèmes au sujet du hacking, des hacks, ainsi de suite. Et donc là, euh, comme vous pouvez le voir ici à l'article, euh, qu'est-ce que nous avons Nous avons des euh, physiciens russes qui ont trouvé une solution euh, par rapport à toutes ces attaques, euh, comment dirais-je, toutes ces cyberattaques, ainsi de suite, qui avaient à voir avec les exchanges et le blockchain et, ainsi, et, et tout ça. Et donc maintenant, ben, il y a ici, comme vous voyez, le premier blockchain quantique. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment super intéressant. On va jeter un œil là-dessus. Et après, bien sûr. On va aller à un article de howmuch.net et cet article est en train de nous parler réellement ce qu'on appelle de Bitcoin Wealth Distribution. Qui a réellement du Bitcoin, qui réellement en possède et comment et en quelle quantité, ainsi de suite. Dans des vidéos précédentes, j'avais déjà parlé de cela, mais avec d'autres sources. Et là, c'est une source que j'ai trouvée dernièrement en regardant une vidéo. Et là, je me dis, bah tiens, ce serait très intéressant de partager ça avec tout le monde ici. Et comme ça, bon, voilà, chacun va pouvoir y jeter un oeil et voir réellement bah, qu ce qui est de se passer, donc ça c'est super intéressant. Après un autre article, là qui on va directement aller en Suède, et maintenant on va s'intéresser à Uh, au cas de la Suède, qui la Suède, vous le savez bien, est un pays qui est en train de bouger vers le cashless. Comme vous l'avez ici, c'est un article de uh, cryptocoinsnews.com. Et là, maintenant, on est en train de parler ici de cashless Sweden will host its first major cryptocurrency and blockchain conference. Donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi cela Parce que la Suède, maintenant, est en train de réellement bouger, euh, enfin d'éliminer l'utilité des notes de, de banque, donc des billets de banque, et maintenant, euh, elle veut vraiment euh, bouger vers une crypto-monnaie comme monnaie nationale. Et donc, là, bah, là c'est un article. Très important, et à deux articles qui sont en relation avec celui-ci, donc c'est le numéro 1, c'est celui-là qui parle de la Suède, et le numéro 2, on va directement. À la banque centrale de Suède, pourquoi bah pour en avoir enfin pour avoir réellement la validité de l'information que l'on a eu et l'on a et c'est ce que l'on a ici. Vous voyez ici on est sur euh, rixbanks.se donc c'est la banque centrale de Suède. Et là maintenant, ils sont en train de parler, comme vous voyez ici à l'écran, est en train de parler de ce qu'on appelle le e-corona, e, euh, e pardon, qui serait bah, réellement bah, leur euh, monnaie euh, digitale, leur euh, crypto qui va enfin leur monnaie digitale qui va être euh, qui va remplacer euh, les notes de banque souveraine et ben maintenant ça va être euh, le e-crona donc on va rapidement regarder ça ensuite on va regarder un article de news bitcoin.com rappelez-vous tout ce qu'on avait vu en Chine la semaine passée enfin ces deux dernières semaines quand on voyait le PBOC donc le Public Bank of China qui avait euh, comment dirais-je fait un, des gros problèmes au sujet des ICOs frauduleuses. Après il s'en est attaqué aux exchanges. Après c'est attaqué aux exchanges, il s'en est attaqué directement au... Euh aux compagnies minières donc je vais jouer une vidéo de Monsieur John McAfee qui est en train de parler de ce problème là de, lors d'une conférence qui avait eu lieu à Hong Kong il y a deux semaines euh, de cela et voilà euh, là il était en train de parler de tout le problème de tout ce qui avait ce lui-même maintenant vous voyez John McAfee c'est le Monsieur des antivirus euh, McAfee très très connu et maintenant ben, il est dans une activité minière à Hong Kong euh, dans le Bitcoin et va voilà, il parle de tout ça et commence à l'affecter lui et cette vidéo là est dans les euh, la vidéo précédente de la semaine dernière mais maintenant ici on voit qu'il y a un autre pays qui est en train de suivre c'est euh, la Corée du Sud, rappelez-vous que euh, le gros volume, les activités minières, le volume et les gros exchanges de Bitcoin sont en Asie, principalement en Chine, en Hong Kong, vous avez la Corée du Sud, le Japon et Singapour et tous ces pays-là. Et donc là, ben voilà, donc là ça continue maintenant, là maintenant c'est quoi ben, c'est la Corée du Sud. Ensuite, on va à Singapour, on retourne à Crypto Noticias et qu'est-ce qu'on a euh, Singapour maintenant est en train de fermer les comptes bancaires euh, des compagnies qui seront en train de travailler avec le Bitcoin et le blockchain. Donc là, c'est un euh, gros problème. Et, mais un gros problème qui n'a pas réellement eu un impact euh, majeur réellement sur la cotisation des, euh, des, des cryptos, notamment du Bitcoin. Comme on a vu lorsque la Chine avait vraiment lancé sa grosse attaque, on a vraiment vu le gros impact. Mais ici, euh, cette nouvelle-ci, ben, voilà, on va dire que le marché a... Euh, enfin, la cotisation du prix du bitcoin, bah, voilà, elle en a déjà eu assez, elle a été saturée de ces informations-là, et maintenant ça n'a vraiment plus d'effet. Et alors maintenant, on continue. Juste là maintenant, on va à economista.es, donc ça c'est un, un site web espagnol ici. Et là maintenant, on est en train de continuer à parler de la bulle du bitcoin. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous que je vous dis toujours que maintenant, ce sont les grands euh, joueurs, donc les grands players de Wall Street qui rentrent en scène. Et eux maintenant, ne s'en cache pas, ils vont ouvertement et ils mettent des moyens. Et ce sont eux qui sont en train de tout racheter, de tout rafler. Et rappelez-vous, euh, lors de la vidéo précédente où je vous ai décrit. Euh, comment dirais-je, les patrons que l'on a commencé à voir qui n'étaient pas du tout organiques mais qui étaient à des points bien précis et que vraiment euh, stopper au niveau des 3000, on va le revoir lorsqu'on va aller à l'analyse technique et lorsqu'on va regarder le price action et en rentrer dans cette manière-là de manière trop chirurgicale et remonter euh, subitement avec un, là, ils font un super gros volume d'achat. Et ce ne sont pas des petits utilisateurs comme vous allez le voir à, sur la charte des, de la distribution de la richesse du Bitcoin, ce ne sont pas euh, des petits utilisateurs. Euh, qui peuvent faire ça. Donc là, c'est des personnes qui viennent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de millions, avec des centaines de millions, qui peuvent faire ce type de mouvement. Et là, maintenant, on en a ici la confirmation d'un gestionnaire de hedge fund aux États-Unis qui vient avec 500 millions de dollars, spécialement que pour le Bitcoin. Là, vous avez l'article et directement juste après, on a la vidéo où ce cher monsieur est lui -même en train de s'expliquer. C'est ici, c'est le macro trader euh, comment s'appelle Novogratz. Il est, comme on dit ici, bah il s'est converti au Bitcoin. Donc voilà, il laisse les, enfin, pas qu'il laisse mais maintenant il va dédier une grosse partie de capital donc 500 millions là-dessus et c'est un il y a une vidéo ici il explique ça pendant près d'une plus d'une demi-heure euh, sur Bloomberg il était interviewé euh, la semaine passée donc là je vous aurai les liens et vous allez pouvoir le voir directement et maintenant je reviens à une autre vidéo encore ici qui parle un peu de tout ce qui est en train de se passer derrière les cryptos et ça c'est une vidéo de Madame Linette Zeng que vous avez ici. J'ai déjà cité euh, cette dame qui a plus de trois décennies euh, dans Wall Street comme broker, euh, analyste et maintenant elle est dans les euh, métaux précieux. Et euh, là, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est qu'elle a fait une super 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 analyse au sujet des crypto-monnaies et de tout ce qu'il y a derrière les banques centrales, les grosses institutions, un peu ce que moi je suis en train de, de, de vous dire et de ramener comme news chaque semaine. Et elle, ben voilà, elle est en train de parler exactement de la même chose avec aussi ses recherches. Et il y a certaines choses sur lesquelles ben, voilà on arrive aux mêmes conclusions et au même point. Vous allez voir qu'elle va vous montrer, si vous regardez la vidéo, enfin, vous aurez les liens de la vidéo, elle est en train réellement de démontrer pas mal de choses que j'ai moi-même, euh, dès qu'elle en a déjà parlé ici au Crypto rapport et des articles que j'ai déjà partagé avec vous, donc voilà, on arrive pratiquement aux mêmes conclusions, mais elle va encore plus loin avec des articles et des white papers du FMI, et ainsi de suite et tout ça. Donc là, il y a les liens et vous aurez le lien, à ça, on va dire directement vers sa vidéo pour pouvoir le regarder, et après. Vous savez on sait bien qu'une fois qu'on termine la rubrique des news, on passe à la deuxième rubrique qui est réellement la performance des cryptos. Donc là, on va regarder la capitalisation de marché. On va mettre ça comme ça sur World, euh, à partir de worldcoinindex.com. On va regarder la capitalisation de marché et directement ben, le ranking des cryptos. Directement après, on va s'intéresser à la performance euh, forex. Et vous voyez ici, je vais me mettre là. Vous voyez ici. Là, on est sur la page de Markets Business Insiders. On est en train de regarder la partie Currencies, c'est-à-dire les devises. Et dans les devises, vous avez les devises majeures ici. Vous voyez, Most Viewed Currencies, donc les devises, on va dire, les plus en vue. Et vous voyez que directement, vous avez bel et bien Bitcoin Dollar et Ethereum Dollar. Donc encore une fois... Pour appuyer le fait que ce sont des actifs maintenant sur lesquels les grands spéculateurs les institutions et tout le monde banquier et financier est en train d'opérer dessus donc encore et encore une fois pour vous rappeler que vous devez être éduqué financièrement si vous aussi vous voulez comment dirais-je profiter de ce qui se passe euh, là euh, lorsqu'on vous voyez ce genre de mouvement euh, qui est en train euh, d'avoir lieu mais vous devez avoir la, la, comment la même vision que ces personnes là ok donc ça c'est vraiment pour vous le faire comprendre et vous démontrer que voilà ça fait partie déjà de la grande famille du forex et c'est déjà là. Pas bah, euh, avec les mêmes caractéristiques pardon, que les autres euh, devises euh, majeures qui, elles, sont des devises souveraines qui appartiennent à un pays, à une nation en particulier. Mais ici, voilà, c'est crypto, c'est international, c'est universel, il y a énormément de choses derrière. Mais donc, vous voilà, voyez qu'il n'y a pas de différence. Vous devez euh, réellement être éduqué financièrement afin de pouvoir générer, euh, comment dirais-je, des gains sur le long terme. Et ici, là, on est sur Trading Economics. Et là, maintenant, on va s'intéresser à la performance hebdomadaire, mensuelle et annuelle pour voir un peu le ranking. Et là, bien sûr, on a bien vu qu'on a le Bitcoin. Et après, en troisième et dernière rubrique, on va à l'analyse technique sur graphique hebdomadaire et on va s'intéresser aussi au price action et on va faire exactement cette crypto-monnaie. On va faire premièrement le Bitcoin dollar, numéro 2 le Bitcoin cash dollar, numéro 3 le Ethereum dollar, numéro 4 le Ripple dollar et on va faire aussi le Litecoin dollar, le Dash et IOTA. Et je vous dis déjà en passant, IOTA hier lors de ma réunion avec les autres traders ici à Madrid, on, ben voilà, ils, ils m'ont converti à IOTA, ils m'ont réellement, réellement, réellement euh, bien parlé, on m'en a bien expliqué les fondamentaux, vous voyez, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Ben, c'est pour ça que j'ai un groupe de personnes à, avec moi, avec lesquelles on parle de, de, de pas mal de choses, vu qu'eux ils sont bien plus dans les cryptos. Vous savez, je suis bien plus dans tout ce qui est spéculation sur actions mais je m'intéresse aussi euh, aux cryptos, vu que voilà pour moi c'est un actif spéculatif, et là je le dis toujours et je le répète encore. Donc euh, tant qu'il y a des gains à faire, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ben voilà, moi je suis là pour profiter de ça. Et euh, vous savez bien, j'avais fait déjà une vidéo euh, sur Ripple, bien en profondeur, pour voir vraiment les fondamentaux, l'utilité qui était derrière et euh, la projection que j'avais pour le Ripple. Et bien exactement, ben, IOTA a les mêmes caractéristiques. Et donc pour moi, Ripple et IOTA sont des trucs qui vont être super super utilisés dans le futur vu qu'ils ont une énorme, un énorme potentiel euh, de croissance et euh, au niveau des gains, donc dans leur prix de cotisation, vu qu'ils sont en dessous d'un dollar. Et bien sûr, il y a une grosse utilité et les institutionnels aiment cela. Et donc là, quand ça va exploser, ben ça va être quelque chose de, 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 de terrible, de grand. Vu qu'on peut dire que Bitcoin et tout ça, ça peut encore aller bien plus haut. Mais maintenant, vous savez que la clé de l'investissement, c'est quoi On trouve un actif qui est sous-évalué. Euh, exemple Bitcoin, dans les années 2008, enfin non, oui, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Et vous voyez que maintenant, ça fait très peu de temps que moins d'un an, qu'il y a un buzz énorme, que c'est super trending. Je crois que maintenant c'est sur les moteurs de recherche Google. Vous allez le voir dans la vidéo de Mme Li zeng Elle démontre très bien que c'est le mot blockchain, cryptocurrencies et bitcoin. Surtout bitcoin, non, c'est bitcoin. Cryptocurrencies, non, bitcoin, blockchain et cryptocurrencies, c'est le top de recherche dans Google. Et ça a augmenté comme le graphique de Google. Donc terrible, donc c'est passé de rien du tout à, à, à des, des sommets impressionnants. Et euh, c'est ce qu'il y a. Donc le but, c'est quoi Une fois qu'il y a un actif qui a déjà eu un run terrible, un swing inimaginable, comme ce qu'on a vu avec le Bitcoin, il, qui va continuer à monter, mais ce n'est plus trop, ce n'est plus assez évident. Maintenant, pour avoir des gros gains et des gains pareils, il faut vraiment venir avec énormément d'argent et avec un Bitcoin à 4000, 5000 et plus. Ne va, cela ne va pas être, comment dirais-je, ouvert et tout le monde ne va pas pouvoir profiter de, ces, de, de cette opportunité. Donc ce qui fait qu'une fois qu'on a bien gagné là-dedans, comme euh, ici, nous, avec euh, les autres traders, j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, on avait fait un gain maximum de 300%, entre minimum 250% et 300% avec le bitcoin de 700 à 3000 et, et, et plus. Et bah, maintenant, vous voyez, une fois que une chose pareille est, est, est passée, bah, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire après Aller rechercher un nouvel actif qui est sous-évalué et refaire la même opération. Rentrer dedans maintenant et euh, patienter et continuer à analyser bien les fondamentaux et attendre le bon catalyseur qui va faire que boum ça va exploser comme le bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies qui vont arriver, ça va peut-être pas, je dis bien, le passé c'est le passé, le futur personne ne sait ce qu'il y a, ça ne va. Pratiquement, on ne sait pas si ça va être aussi fulgurant et aussi terrible que le bitcoin, mais il y a des cryptos qui sont sous-évaluées maintenant et qui ont un bon potentiel et un très bel avenir devant elles. OK Donc ça, c'est pour notre crypto rapport du premier er Enfin, du, qui va commencer demain, du 1er au 8 octobre. Et pour le crypto euh, rapport de la semaine prochaine, donc du 8 au 15, il y aura un spécial IOTA. Okay? Alors maintenant, bah, on y va, on y va, on y va. On va retourner aux premiers articles et on va décortiquer tout cela. Vous voyez, vu qu'on a pas mal d'articles à faire et encore là, j'ai vraiment sélectionné parce que tous les jours il se passe quelque chose. Je reçois au moins 10, oui, entre 10 et 15 news par jour. Rien que sur les cryptos, mais ouais, la plupart d'entre elles sont toujours... Elles euh, euh, parlent souvent de la même chose vu que ça vient de différentes sources mais donc après voilà il faut filtrer et vraiment garder les news qui nous apportent réellement quelque chose donc là on va à euh, c'est quoi la page ici c'est Crypto Noticias et on va regarder le premier article qui nous parle de quoi de aumentan las atomic swaps intercambios entre distintas blockchains sin intermediarios donc c'est quoi c'est euh, les atomic swaps sont en augmentation et intercambio c'est quoi c'est un échange entre différents blockchains mais maintenant sans intermédiaire donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est rapide. Vous voyez déjà que la base des crypto-modèles, c'est que ce soit décentralisé, que ce soit uh, réellement peer-to-peer, uh, -peer, donc de particulier à particulier, mais super rapide. Mais il y a toujours, uh, comment dirais-je, une, uh, entre parenthèses, une tierce personne, un intermédiaire qui serait là en train de vérifier quand même que les deux parties uh, soient OK. Mais maintenant, ben, là, ça va encore aller encore plus lent, on va encore plus, uh, plus en profondeur. Donc on va... Uh, s'attarder ici euh, sur le premier paragraphe et voir réellement de quoi est-ce qu'on parle donc je vous lis rapidement ensuite je vous le traduis STM n'a pas défi de intercambios de crypto monnaies différentes blockchains donc ce dernier mois il y a eu différents échanges entre différentes crypto monnaies sur différents blockchains et comme on dit ici si l'utilisation de une case de cambio comme intermédiaire donc vous voyez que lorsqu'il y a des échanges donc quand on dit un échange c'est une bourse de bitcoin on va venir acheter et vendre vous voyez que les atomic swaps c'était quoi comme je vous l'ai dit en introduction euh, on devait aller dans l'exchange, par exemple Pierre va dans l'exchange et Paul va dans l'exchange, euh, Paul veut acheter et Pierre du vent, donc voilà, il y a un intermédiaire, c'est l'exchange. Alors maintenant les Atomic swaps font qu'on ne doit plus aller dans les exchanges, donc vous voyez que maintenant vous allez avoir votre wallet, vous allez aller, euh, comment dirais-je, directement euh, à l'exchange, Bitfinex, Jedax, ce que vous voulez, et là maintenant faire vos activités de trading, et bien là, ça c'est fini, donc maintenant il y aura plus les exchanges et on va directement du peer-to-peer, -peer. donc euh, de Paul à Pierre. Et donc c'est un truc qui est euh, magnifique et encore plus rapide et donc vu que quoi il y a eu énormément de hacking dans les exchanges des problèmes des tarifs euh, des intérêts euh, gros à payer et des manipulations de spreads donc de prix d'achat et de vente donc le bid et le ask donc l'offre et la demande et donc là et en plus le, le différentiel était grand mais en plus la maison gagne donc c'est ça le truc en plus des commissions donc maintenant on continue euh, comme on disait si utilisation l'utilisation d'une caisse à des cambio comme intermédiaire donc sans l'utilité d'une maison de change donc d'une bourse pour, euh, comme intermédiaire donc le protocole en qui ça a développé, s'appelle intercambios atomicos en cadenas, atomic cross chain trading ou atomic swaps en anglais. Donc on bueno, a le protocole sur lequel ça a été développé, s'appelle euh, interchange atomique en en chaîne. Donc bueno, sa traduction littéraire. donc en gros, c'est les atomic cross chain trading ou atomic swaps en anglais et une qu chose qu'on nous dit qu'il y avait dès 2012 proposé donc ça a été déjà proposé depuis 2012 Mais que euh, hasta este mes a hecho público sus avances en las cadenas de euh, Zcash con Bitcoin donc euh, je dernièrement donc jusqu'au mois passé euh, ça avait fait comment dirais ils étaient en train de publier euh, leurs avancements donc leur révolution euh, à travers de la chaîne euh, Zcash euh, avec euh, oh attendez là j'ai dit n'importe quoi là Uh, SMS a été au public 26. Elle n'a scalé nase comme Bitcoin. Ah, voilà. Donc, à travers de la chaîne de Zcash et ils ont montré, ils ont démontré leur évolution. Euh, comment dirais-je, à travers la chaîne de Zcash et leur évolution de quoi dans cet échange avec euh, entre ouais, entre particuliers de particuliers à particuliers en utilisant le Bitcoin. Et ainsi, comme en Litecoin, euh, comme Decred. Donc, aussi, ils l'ont fait sur Decred avec le Litecoin, pareil, et aussi avec le Vertcoin. Donc, vous voyez qu'ils ont déjà testé ça avec trois crypto-monnaies. Et donc, ça, c'est quelque chose de euh, gros et de grand. Donc, là, on va arrêter là parce qu'on a beaucoup d'articles à lire. Là, je vais vous passer, ne vous inquiétez pas d'avoir le lien de cet article directement à Crypto Noticias. Vous l'aurez euh, directement dans euh, la description de la vidéo un peu plus bas. Mais retenez ici, en gros, que quoi Qu'on a une nouvelle technologie qui est super intéressante, que maintenant, on ne va plus aller vers les Exchange et là maintenant on continue à opérer donc rapidement je vais vous l'illustrer pour ceux qui ne comprendraient pas qui ne seraient pas familiarisés avec les thèmes exchange ainsi de suite pour que vous compreniez rapidement non on n'a pas besoin de ça euh, qu'est ce que l'on veut nous euh, pour que l'on comprenne rapidement de quoi est ce que l'on est de quoi est ce qu'on est en train de parler donc euh, ça ce serait on va dire euh, notre bourse hein? donc US. donc ça c'est l'exchange ok euh, ça peut être euh, GDAX, Bitfinex ou ce que vous voulez. Et euh, la chose étant, euh, c'est quoi C'est que d'un côté, on a euh, monsieur A et d'un autre côté, on a, euh, on va dire ici, on a euh, monsieur B, okay, qui sont chacun d'eux euh, des particuliers. Alors maintenant, euh, si on a un qui est un vendeur et on a un qui est un acheteur, la chose qu'ils devaient faire, qu'ils étaient obligés de faire, tous les deux, c'est quoi C'est de venir se rencontrer ici à l'exchange. Et à partir de l'exchange, ben voilà, pouvoir euh, faire le changement. Maintenant, cette technologie de Atomic Swaps, qu'est-ce qu'elle leur permet de faire Elle leur permet de passer outre l'exchange et directement ben, que ça se passe comme ça. Qu'ils puissent acheter et vendre sans pouvoir passer par cela. Et comme vous l'avez vu, ils l'ont testé avec le BTC, avec le LTC. Et euh, j'ai oublié le troisième, c'était quoi donc, vous voyez que ça, c'est le truc qui est réellement en train d'augmenter et ça, c'est euh, vraiment euh, pas mal. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle et c'est encore mieux en, en espérant que ça va nous éviter des problèmes de hacking. Et ça, c'est tout justement ce qui nous amène à notre article suivant. Donc, attendez, moi, je vais me mettre dans un coin. ou euh, Non, parce que là, je vais cacher tout ça. Voilà, là, je vais me mettre là. Donc voilà, donc là maintenant on reste dans Crypto Noticias, donc vous voyez que par rapport aux Atomic Swaps, euh, et comment dirais-je maintenant, on peut passer outre, donc on, on peut laisser de côté les, les exchanges. Ici on a un autre article qui nous parle de quoi qui nous dit ici que Physicos russos créent la première blockchain quantique résistante à attaques cybernétiques. Donc ici, des physiciens russes ont créé le premier euh, blockchain quantique qui résiste aux attaques, euh, aux cyberattaques. Et ça, c'est quelque chose de euh, terrible. Vous voyez que dernièrement, vous avez vu qu'on a eu énormément de problèmes de hacking. Alors là, ici, encore une fois, on va s'attarder rapidement ici sur euh, euh, le premier paragraphe et le reste, vous l'aurez en description. Euh, donc voilà, je ne lis pas tout l'article parce que c'est vraiment long, sinon l'émission va faire euh, 8 heures. Mais euh, là, il ben, y a un truc génial aujourd'hui qui s'appelle euh, Google euh, Traduction. Donc ouais, vous venez, vous faites un copier-coller, vous le passez dans Google, euh, comment dans Google Trad et vous allez avoir euh, la, la, la traduction. Moi, je vous commente en gros ce de, dont de, de ça parle. Et en fonction de cela, ben, vous pouvez euh, vous aussi faire vos recherches directement, même pas je vous invite et. Eh, réellement à faire aussi vos recherches directement sur Google en, mais là vous allez avoir les mots clés et vous allez exactement savoir ce que vous cherchez ok donc là maintenant on va on va lire le premier paragraphe qui est celui-ci donc tras el uh, catastrophique ataque de uh, ransomware WannaCry y la creación del virus uh, Ux, qui pourrait podría hacer aún más daño que uh, su antecesor Donc, los físicos del centro cuántico de Rusia han creado y eh, realizado pruebas a la primera blockchain cuántica del mundo que podría convertirse en el único sistema de almacenamiento de datos sin eh, datos de la historia y la solución a los ataques de hackers a gran escala. Donc eso es magnífico. Vamos a traducir eso. Donc después de ataques catastróficos de ransomware WannaCry uh, uh, y eh, la creación del virus uh, WeeWix wi Et euh, cela, vraiment, euh, qui a pu en être encore plus dévastateur que son prédécesseur, donc euh, d'autres que des virus qui ont été créés avant, des euh, physiciens du Centre euh, Quantique de Russie ont créé et réalisé des preuves sur le premier blockchain quantique au monde. Et ceci pourrait, euh, pourrait se convertir. Et euh, non ce re va, va pouvoir devenir et con se convertir dans l'unique système de almacenamiento ce serait de stockage, donc de stockage de données qui ne serait pas, donc on ne pourrait pas hacker. Parce que là, j'avais inventé un mot, là, hackable, je ne sais pas si ça se dit, mais non, hackable, non, ça, ça ne se dit pas, voilà, vous comprenez, qui ne pourrait pas être hacké. Et donc ce serait une première dans l'histoire. Et réellement, comme il dit ici, la solution, donc la solution aux attaques. Euh, aux cyberattaques et donc euh, tout ce qui se passe au niveau du euh, enfin avec tous les hackers mais vraiment à échelle mondiale donc là ils auraient une solution qu'on ne pourrait pas hacker qui serait impossible à hacker selon ce qu'ils sont en train d'avancer donc je vous invite réellement à, à faire des recherches là-dessus et donc là qu'est-ce que vous devrez euh, chercher ben c'est en Russie donc le centre des physiciens quantiques tout simplement et voir euh, donc vous tapez ça avec blockchain et vous allez avoir les résultats ok donc ça c'est pour cet article là et maintenant, on passe à un autre article. Donc, vous voyez qu'on a parlé pas mal des cryptos, hacking, ainsi de suite. C'est toujours ça. On est toujours autour de cela. Et maintenant, on va à un article de howmuch.net. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'il y a C'est de Bitcoin Wealth Distribution. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de Bitcoin, Bitcoin ici, Bitcoin là. Mais qui réellement a du Bitcoin Qui réellement fait des choses avec le Bitcoin Moi, comme je vous le dis et je vous le redis en full disclosure, j'opérais sur le Bitcoin, euh, Bitcoin réel. Donc, j'avais euh, du Bitcoin et de l'Ethereum. Et j'ai tout enlevé, euh, comment dirais-je, de. De mes e-wallets, donc là maintenant je euh, me dédie spécialement et uniquement à la spéculation. Et je dis bien, je reviendrai avec des bitcoins entre parenthèses réelles dans mes wallets le jour où on en aura réellement une utilité. Donc, comme on a vu dans l'article de Suède, si réellement bah, on peut plus utiliser les notes de banque euh, de la Banque Centrale Européenne et que maintenant on a des crypto-monnaies et qu'on doit utiliser que le bitcoin, et eh ben on n'aura pas le choix, on ira tous dans le bitcoin. Mais pour le moment, il y a trop de fluctuations de prix. Imaginez-vous, vous ne pouvez pas garder la valeur de votre argent si un jour ça vaut 5000 et demain ça vaut 3000. Si ça monte, tant que ça monte, tant mieux. Mais avec des fluctuations pareilles, c'est pour avoir euh, faire des infarts et des arrêts cardiaques euh, 10 fois par jour. Donc pour le moment, ben voilà, ça n'a pas euh, ce qu'on recherche dans une monnaie, ça n'a pas cette stabilité. Donc ça en fait un, un véhicule spéculatif parfait. Et donc voilà, moi, c'est cette utilité-là que je vois, enfin euh, je favorise bien plus cette utilité-là euh, des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin. Alors maintenant pour revenir à l'article, qu'est-ce que vous voyez ici L'article euh, article pardon, nous parle du wealth distribution donc la distribution de la richesse du Bitcoin. Qui réellement du Bitcoin, comment et quoi et qu'est-ce qu'il y a Alors le résumé c'est quoi C'est font euh, donc alors, on va dire ça en français directement 4,11 des adresses donc 4 des adresses own donc possèdent les 96,53 des Bitcoins. Donc vous voyez que c'est ça. Donc vous voyez qu'il y a une minorité moins de 5 des personnes qui opèrent dans le bitcoin, eux ils possèdent les 95% des bitcoins. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les 5%, euh, bah, ouais, les 95%, les 95% restants, bah, eux se partagent euh, les petits 5% de bitcoins qui restent. Et ici, bah, vous avez cette, euh, cette jolie tarte et on vous démontre exactement euh, comment c'est fait. Donc on vous dit ici que ça, ce sont les personnes qui ont le plus de bitcoin après vous envoyez euh, vous voyez exactement les séparations hein, comment c'est fait donc vous voyez ici 0,0000748% euh, des adresses ont 0,73 des bitcoins donc vous voyez ici très petit ici vous voyez que 9,41 des adresses ont donc possèdent 2,84 des bitcoins et après, ici, qu'est-ce que vous avez Vous avez que 41,93% des adresses possèdent 0,01% des bitcoins. Et 24,94% des adresses possèdent 0,09% des bitcoins. Et 19,61% des adresses possèdent 0,53% des bitcoins. Et donc, en gros, c'est quoi C'est 95,89% des adresses possèdent 3,47% des bitcoins. Donc, voilà. Donc, la majorité des bitcoins est concentrée dans très peu de mains, encore une fois. Et donc, là, vous voyez que ça, c'est quoi C'est, On sent la main mise des grosses institutions, des gros patrimoines, et tout ça, ça va avec euh, Wall Street et euh, tout le monde banquier et financier, encore une fois. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, euh, comment dirais-je on vous démontre encore une fois ben qui est derrière et qui opère et qui réellement fait tout ce genre euh, de mouvement. Donc là rapidement on va s'intéresser à ce qu'on nous dit ici. Our graph represents the entire Bitcoin market, donc c'est à dire que notre graphique représente l'entièreté du marché du Bitcoin, which has a value of around uh, 60 billion dollars uh, for uh, comparison. Donc voilà qui a uh une market cap d'environ 60 milliards de dollars et for compar uh, for comparison donc pour com avec pour comparaison that's bigger than several well known companies like FedEx and General Motors donc là en comparaison ben leur la euh, capitalisation de marché du Bitcoin est bien plus grande que des compagnies euh, bien connues qui sont comme euh, FedEx et General Motors donc GM et maintenant quoi We then divided uh, the, the value of the Bitcoin markets by addresses. Donc ensuite, on a divisé la valeur de Bitcoin par le nombre d'adresses que l'on a. Et on continue. As you can see, donc comme vous pouvez le voir, over 95% of all Bitcoins in circulation are owned by about 4% of the market. Donc comme vous pouvez le voir dans le graphique, dans la tarte ici euh, au-dessus plus de 95% des bitcoins, de tous les bitcoins en circulation, en ondes, donc, sont en possession d'à peu près 4% du marché. Donc, 4% des participants du marché possèdent plus de 95% des bitcoins. Et voilà. Et donc, maintenant, in fact, donc, en effet, 1% of the addresses control half of the entire market. Donc, en effet, 1% des adresses contrôlent plus de la moitié du marché de bi du bitcoin. Donc, voilà ok donc comme ça il n'y a pas de mystère bon bien sûr vu que c'est privé on va pas savoir exactement qui c'est mais là comme vous l'avez vu dans les articles qu'on va voir plus loin lorsque vous avez des grands players euh, comme on l'a vu on avait couvert que les Rothschild étaient rentrés euh, dans le Bitcoin euh, on a les articles, euh, je crois que j'ai couvert ça durant le mois d'août il y a un mois. Euh, maintenant, il y a pas mal de hedge funds qui étaient faits. Vous avez des personnes comme John McAfee qui rentrent dedans, donc des grands, hein, enfin, des, des grands hommes d'affaires et des personnes qui ont très bien réussi euh, avec des compagnies qui sont listées dans le SP 500 et tout ce que vous voulez maintenant qui passent dans les crypto-monnaies. Mais eux ne viennent pas avec euh, 1000, 2000, 3000. Vous voyez que c'est à base de millions, voire même de milliards. Et là, maintenant, euh, encore une fois, dernièrement, JP Morgan avec Jimmy Day, Daymond et toutes ces banques-là, les Goldman Sachs et tout, qui rentrent dedans. Vous avez bien vu le monsieur euh, qui veut rentrer avec son hedge fund et avoir 500 millions de pour le bitcoin. Donc, vous voyez que cette puissance d'achat, ben, ce sont eux qui rentrent. Okay? Donc, là, encore un autre article qui euh, s'aligne sur euh, ce qu'on est en train de souligner, ce qu'on est en train d'analyser ici, tous ensemble. Donc, maintenant. Excusez-moi, on va continuer. Et là, maintenant, on va à ce qu'on appelle la Cashless Society. Et on va directement en Suède. Et ici, on est sur euh, CryptoCoinsNews.com. Et ça aussi, vous allez avoir le lien dans la description de la vidéo. Et on va lire le titre. C'est quoi? Cashless Sweden will host its first major cryptocurrency and blockchain conference. Donc ça, c'était du 18 juin. Donc c'est déjà quelque chose qui, est, qui était passé il y a pas mal de temps. Mais vous allez voir que ça va nous renvoyer au mois de septembre et même au mois d'octobre, là maintenant. Donc on va s'attarder ici euh, rapidement. Euh, on va lire le, les deux premiers paragraphes. Qu'est-ce qui se passe ici Stockholm will host its first ever blockchain and cryptocurrency conference on September 7th. Donc quoi Donc Stockholm, donc la capitale, euh, où va se tenir lieu euh, pour la première fois une conférence entièrement dédiée aux blockchain et aux crypto-monnaies et elle avait eu lieu le 7 septembre 2017. Alors maintenant on continue. According uh, to the host's press release, we are hosting a series of events in different Euro European cities, including Moscow, St. Petersburg, Prague, uh, Kiev, and Tallinn. The participants will pay special attention to discuss uh, the uh, blockchain development in FinTech. Alors, uh, donc, selon uh, l'agence de, de, de presse, Uh, war Hosting Festival even donc qui vont comment je qui vont développer donc, qui vont euh, comment dirais-je lancer une série d'événements dans différentes capi capitales euh, enfin villes européennes dont Moscou Saint-Pétersbourg Prague Kiev et Tallinn. Euh, les participants euh, vont devoir payer euh, will pay special attention ah, non, donc euh, vont quoi Faut pas devoir payer mais vont devoir faire très attention euh, lorsqu'ils vont discuter le blockchain le développement du blockchain et de la fintech et donc là, on va coter un peu, euh, comment dirais-je, un petit mot d'un des intervenants. Uh, we are sure that the blockchain will become as commonplace as the internet and smartphones. Donc, voyez quoi ils sont sûrs que le blockchain va avoir une place et va être un mot totalement, enfin, quelque chose de totalement commun comme internet et les smartphones aujourd'hui. Alors maintenant, uh, the organizer uh, Smile Expo invites blockchain enthusiasts from business and governments. « We are already aware of the uh, benefits of new technology. Et donc voilà, donc, euh, l'organisateur Smile Expo a invité beaucoup de personnes qui sont enthousiasmées, donc tous les blockchains enthousiastes, donc tous ceux qui sont, on va dire, euh, favorables aux blockchains. Euh, depuis quoi à, à, à travers un large panel, donc il y a des business et aussi euh, des gouvernements euh, qui « already aware of the benefits », donc qui sont déjà au courant et qui savent déjà quels sont les bénéfices de cette nouvelle technologie. Donc, principalement du blockchain. Et the event organizer, donc l'organisateur de l'événement, invite the guests of the, to the conference on its official website. Donc, l'organisateur voilà, a lancé son invitation à travers euh, sa page web. Et les participants, enfin, pour participer à la conférence, ce n'était pas gratos. Et ticket cost euh, 2000 euh, Swedish euh, krona. Donc, le billet, enfin, euh, l'entrée, c'était 2000 euh, Swedish krona. Donc, ce qui fait un équivalent de 207 euros à cette date-là. Donc, voilà. Donc, et qu'est-ce qu'il y a However, participants will be surrounded by experts in the blockchain technology and cryptocurrencies. Donc là, bien sûr, il y allait avoir quoi Énormément. Tous les participants vont être entourés d'experts dans le blockchain, dans la technologie blockchain et des cryptocurrencies. Et donc là, vous voyez qu'il y a des personnes, des, des grands noms comme euh, euh, Speakers Include, IBM, Distinguished Engineer, Cardinina, euh, Marc Santowitz. Donc, ouais, des gros ingénieurs de IBM. Qu'est-ce qu'on avait encore hum, bah Non, bah là, on ne parle, on parle que d'elle. Donc voilà. Vous voyez exactement la, comment le contenu de l'article qui nous parle de la Suède qui tend réellement à évoluer de plus en plus vers une société cashless et laissant de côté ses notes de banque souveraine, donc euh, le Swedish Krona. Et maintenant elle va euh, réellement s'intéresser beaucoup plus au blockchain et aux crypto. Donc voilà, avoir une crypto comme monnaie nationale. Et là maintenant, pour confirmer ce qu'on a vu dans l'article, on va directement. Ah, le, au site de la banque centrale euh, euh, suédoise. Donc, vous voyez ici, Svea euh, Donc, ça, c'est la banque centrale euh, suédoise. Donc, euh, rixbanks.se euh, Et qu'est-ce qu'il y a ici On parle de quoi De e-krona. Donc, vous voyez que ça, c'était la validation, on va dire, à l'article que l'on a vu. Donc, ici, this is what an e-krona could look like. Donc, maintenant, on va lire, on va s'attarder un peu plus sur ce qu'on est en train de voir ici. On va lire un peu plus euh, cet article. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Will Sweden get the krona in an electronic format? Donc, est-ce que la Suède va avoir son krona dans un format électronique? On verra. The so-called e-krona as a complement to cash. Donc, que le e-krona soit un complément au cash. Donc, pas tout à fait enlever le cash, mais dans un premier temps, qu'ils soit un complément. Donc, on ait le choix, mais on tend réellement vers un cashless. Et donc ici, on continue. This question is currently being investigated by the Rix euh, Bank donc voilà que cette question est actuellement euh, sous investigation donc on est en train de se pencher donc la Rix Bank est en train de se pencher fortement dessus the reason for this is that uh, digital payments for example by cards are in the process of eliminating uh, eliminating payments using banknotes and coins donc qu'est-ce qu'il y a pourquoi cela parce que maintenant les paiements digitaux comme pourraient être les paiements avec carte de crédit et carte de débit euh, sont réellement en train d'éliminer les paiements en, enfin les paiements euh, avec banque notes de banque et pièces donc billets et pièces alors on continue this trend donc cette tendance towards a cashless society could ultimately make society vulnerable Uh, in that the uh, payment market will be concentrated among a small number of private, uh, private participants. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe Ce this trend donc cette tendance vers une cashless, vers une société sans cash, euh, peut finalement rendre la société vulnérable. Et quoi En parlant de quoi uh, In that the payment market, donc qu'est-ce qui se passe dans le marché des paiements Donc, lorsqu'on est en train de parler des paiements, qu'est-ce que ça pourrait faire si ce n'est plus, on va dire, aussi large que c'était avant, ben maintenant les paiements qui vont être, on va dire, effectués de manière digitale, eh ben, tout ça va être concentré dans des très petites mains et dans, enfin, dans un très nombre, dans un nombre très restreint, très euh, petit de participants. Donc des participants privés. Donc qu'est-ce que ça veut dire Une société privée qui vient et qui euh, domine. Euh, Imaginez-vous qu'il n'y a qu'un seul mode de paiement que le e-clone et euh, on va dire, euh, je sais pas moi, il y a une société qui vient, qui le développe et qui prend euh, la majorité du marché. Ben voilà, donc tout le monde est obligé de passer euh, par eux. Donc c'est ça. Donc il y a certaines questions qui euh, sont soulevées. Donc là, c'est quelque chose qui est en temps de développement. Vous avez déjà vu que le projet est déjà en train euh, euh, d'avancer. Et vous voyez qu'ici sur le côté, vous avez de la documentation, vous avez directement un PDF que vous pouvez télécharger dans lequel ils sont en train de parler de tout cela et comment dirais-je, de tout développer, de soulever pas mal de questions. Et vous voyez que ça, c'est en rapport avec ce qu'on avait juste avant. Et c'était la suite logique. Après euh, la réunion et la conférence qu'ils ont faite, vous voyez que là, ils sont déjà en train de s'y intéresser fortement. Il y a des grosses compagnies aussi qui viennent. Donc vous voyez que le problème, c'est là. Ici, vous voyez qu'on parle bien de euh, private participants. Et vous avez vu que quoi Un, un des speakers, c'était euh, une ingénieure de euh, IBM. Donc vous voyez qu'une compagnie privée peut venir et avoir euh, dominé le système de paiement d'un pays comme la Suède. Et ça, c'est un risque que, on va dire, la nation ne peut pas se permettre. Euh, de courir un tel risque. Donc voilà, ça c'est les gros problèmes qu'il y a. Donc vous voyez aussi qu'il y a du bien, il y a du bon avec les cryptos, mais il y a aussi, on va dire, le dark side, donc tout ce côté-là qu'il faut arriver à soulever et à... Il faut, comment dirais-je, répondre à ces questions-là maintenant. Parce que ça avance et ça évolue très, très, très vite. Ok, donc là, on a fini avec cet article-là. Maintenant, on continue et maintenant, on retourne un peu en Asie pour voir un peu qu ce qui s'est passé. on a Rappelez-vous ce qu'on avait vu qui s'était passé en Chine. Euh, la semaine passée avec les ICOs frauduleux, euh, qu'est-ce qu'il y avait encore des exchanges et maintenant les compagnies minières. Rappelez-vous la vidéo de M. John McAfee que je vous ai euh, joué la semaine passée. Et alors maintenant, on continue avec ça. et on va dans un autre pays, pas en Chine ni à Hong Kong. Et là maintenant, on est quoi On va à Singapour. Et c'est un article de news.bitcoin.com. Et on est en train de parler. De, donc ici, le, le gros thème, c'est les ICOs. Et euh, qu'est-ce que nous dit euh, l'article Attendez, il est où cet article-là Il ben, est là. Voilà, il est là et l'article nous dit quoi South Korea bans all initial coin offering. Donc la Corée du Sud a euh, banni, interdit toutes nouvelles ICOs. Donc ça c'était une nouvelle d'un un jour exactement et donc là ça fait pas mal de choses. Et qu'est-ce qui se passe ici South Korea's Financial Service Commission has announced that all initial coin offerings ICOs will be banned in the country. Donc toutes... ICO est banni, interdite dans le pays. Et alors là, maintenant, rapidement, on va s'intéresser à bon ce petit aparté ici et puis ce, le petit euh, la citation qui est ici. Donc, all ICOs banned in South Korea, donc euh, toutes les. Euh, tout comme on toutes les ICOs interdites en Corée du Sud donc South Korea Financial Service Commission FSC said on Friday that it will ban raising money through all forms of virtu of, of virtual currencies Et Reuters reported uh, the publication conveyed the regulator's statements all kinds of initial coin offerings ICO will be banned as trading of virtual currencies needed to be tightly controlled and monitored donc qu'est-ce qui se passe donc on dit bien que l'autorité uh, Financière, donc l'autorité la la, maximum euh, des services financiers en Corée du Sud, donc la FSC, a bien a prononcé, un, enfin je vais aller dire son verdict, mais euh, a fait un, euh, une note le vendredi pour dire que toutes les ICO, donc toute la levée de fonds faite à travers les formes, donc euh, à travers euh, les ICOs c'est principalement avec, euh, bon bien sûr, qui dit ICOs dit euh, virtual currencies, donc des monnaies virtuelles, va être bannie et interdites. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit le régulateur a dit ceci que all kinds of initial, initial corner offerings donc euh, tout types de ICO will be banned va être banni as trading of virtual currencies donc comme euh, trading de euh, monnaie virtuelle et quoi ont besoin d'être fortement, strictement et étroitement contrôlés et monitorés donc ça veut dire quoi ben, contrôle encore au-dessus de cela et vous voyez que la FSC ici vous avez l'emblème et le logo ah, dit cela vendredi donc vous voyez que là il continue à se passer des choses mais contrairement à ce qu'on avait vu avec euh, le PBOC en chine vu que c'est exactement la même chose oui on avait vu l'impact avec deux grosses news deux gros catalyseurs c'était premièrement la news euh, de chine donc le PBOC, et numéro 2 c'était euh, jimmy dimond et euh, tout euh, le scandale enfin le scandale euh, sa manière de parler du bitcoin euh, disant que c'était une fraude ainsi de suite et on a vu euh, le gros sell-off. Et donc ici, eh, qu'est-ce qui se passe Alors maintenant, on reste en Asie et maintenant, on va à Singapour et on retourne à CryptoNoticias. Singapour surprend des entreprises de Bitcoin et blockchain, confie des comptes bancaires. Donc Singapour a... Uh, a surpris beaucoup d'emprunteurs. Donc, ce sont des entreprises, des compagnies de Bitcoin. Donc, oui, il y a beaucoup de minières là-bas et des exchanges, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, toutes les compagnies qui bossent aussi dans le blockchain en faisant quoi En fermant leurs comptes bancaires. Donc, ça, c'est très, 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 très... Euh, c'est pas cool du tout. Et donc, là, maintenant, on va s'attarder ici sur le premier paragraphe. Un approximado de 10 distintas compañias y firmas especializadas en transacciones con Bitcoin de Singapour. Donc, approximativement 10 compagnies différentes et qui sont des compagnies et euh, des sociétés qui sont spécialisées dans les transactions du Bitcoin à Singapour dans des exchanges et tout ce que vous voulez. repentino de sus cuentas de banco corporativas. Donc voilà, d'une manière inattendue, complète surprise, d'un instant à l'autre comme ça on a un pchplach, qu'est-ce qui s'est passé On a fermé leur compte de banque corporatif. Et ça c'est dur sans les prévenir. Comme dit bien l'article ici. Es que voy a decir su en de carácter grave no. Sin previo aviso, las entidades financieras les dejaron saber que cancelarían el servicio a esas empresas conocidas por su trabajo con las criptomonedas, pero no han ofrecido un comunicado oficial de las razones. Entonces, ¿Qué es lo que se pasa aquí? Si, sin previo aviso, on dice bien que, sin les haber prevenido, sin Comment dirais-je, au préalable pour leur dire, voilà, à, dans X temps, on vous donne un délai de X temps pour euh, prendre, de, enfin, on va faire ça dans X temps, ben rien du tout. Du jour au lendemain, ces entités financières ont fait quoi Cancellar, donc ça veut dire elles ont annulé, elles ont fermé euh, les comptes et les services qu'elles donnaient à ces entreprises et qui travaillaient principalement dans les crypto devises. Donc voilà. Et ça, et quoi, euh, comme ce qu'on dit ici, ils n'ont a offert un communiqué officiel de la S sans même leur donner un communiqué officiel des raisons pour lesquelles ils ont fait cela. Donc ça, ça a été coupé directement. Et voilà. Donc là, le reste de l'article, je vous le laisse à votre propre discussion. Mais là, vous avez vu le gros titre, où vous voyez que là, il commence réellement à se passer des choses bizarres. Alors imaginez-vous euh, ce type de choses, bah, ce n'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Alors là maintenant on continue, on va voir un autre article. Ici c'est eleconomista.es. Et là maintenant on va parler de quoi ici On va parler de quoi La del bitcoin solo acaba de Los tiburones de Wall Street se fijan en las La bulle du bitcoin ne fait que commencer. Les requins de Wall Street maintenant, euh, comment dirais-je, euh, se fixent Donc voilà, ils font attention, c est, c est, ouais, ils se fixent, ils se figent. Euh, voilà, donc on fait vraiment, vraiment attention. Ils ont le regard porté. Bien fixement sur les crypto devises et notamment mais bien sûr le bitcoin. Et donc là, vous voyez qu'on est en train de parler de pas mal de choses. Et maintenant, rapidement, on va juste lire cela et on va voir le monsieur que vous allez voir en vidéo. Elle restaure donc le gestionnaire de fonds. Mike Novogratz está intentando levantar un hedge fund de 500 millones de dólares para invertir en Bitcoin y otras monedas virtuales. Apenas hay fondos con este perfil, el inversor está convencido de que se puede hacer un montón de dinero porque va a ser la burbuja más grande de nuestras vidas. ¿Oe? Donc, la montagne russe a des bitcoins, il a sélectionné ce que c'est pour Eden, extraire. Bon, là, c'est un article en relation avec ça. Traduction Le gestionnaire de fonds, Mike Novogratz, est en train d'essayer de faire une levée de fonds pour son hedge fund de près de 500 millions de dollars pour investir principalement dans le bitcoin et dans d'autres monnaies virtuelles, donc dans d'autres cryptos. Et maintenant, comme il dit, à peine à sa iPhone, dans ce qu'on est, c'est Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de fonds qui ont un perfil 100% Bitcoin, mais il y en a quand même, on nous avait, des, je vais vous montrer les exchange de fonds, les GBTC, ainsi de suite. Mais ça, ce sont plutôt, comment dirais-je, c'est une manière alternative d'avoir de l'exposition au Bitcoin. Mais là, lui, c'est un fonds spéculatif, un hedge fund. Vous devez savoir qu'un hedge fund, hedge, ça veut dire couverture, fund, ça veut dire fond. Un hedge fund, en la traduction, ce serait un fonds, de couverture, mais qu'est-ce qu'ils font sur des fonds spéculatifs qui achètent et qui vendent Ils ne sont là que pour maximiser les profits. C'est un véhicule d'investissement alternatif et le but du hedge fund c'est battre les performances du marché. Donc vous qui êtes en France qui me suivez, on va prendre l'exemple de la France, vous regardez les performances du 440 à l'année, on va dire quoi C'est entre 12, oh allez, euh, je crois que l'Europe n'a pas été au-delà des 20% comme on a pu voir aux États-Unis, l'Europe était entre 12, 15, euh, allez, on va dire 15%, on va donner un chiffre comme ça, rond. Dans une période d'un an, ça ce serait, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez investir, acheter une action de chacune de ces compagnies, ben, votre tour, on va dire, vous commencez le 1er janvier et au 31 décembre, à votre tour sur l'année, ce serait du 15%. Mais lorsque vous allez vers un hedge fund, donc un fonds spéculatif, c'est, euh, on, on va dire ça comme ça, votre benchmark, donc votre minimum, ça doit être ce que fait le CAC 40. Donc on va dire, on va mettre un chiffre rond ici, 15%. Et le plus, pour où est-ce que les investisseurs vont investir dans un hedge fund ceux qui viennent premièrement investir dans les compagnies du CAC 40 ben c'est bien, ça c'est un investissement tranquille, ça va avec le temps, mais ils vont mettre une partie de leur capital dans un hedge fund parce qu'ils veulent maximiser, ils veulent plus de profits, et bien sûr quand on va vers un hedge fund, vers un fonds spéculatif, c'est pour avoir des meilleurs retours que ce que l'on a avec le CAC 40 Donc là, ils sont obligés de faire plus que du 15%, et voilà pourquoi est-ce qu'ils spéculent à fond. Donc eux, ils ne viennent pas pour investir, ça les intéresse, enfin investir dans le long terme comme du Warren Buffett, ça ne les intéresse pas. Ils seront là principalement à de la seconde. À une période de trois mois. Pourquoi trois mois ben, Chaque trois mois, ben, les compagnies du CAC 40 seront en train de publier leur ben, leurs résultats. Vous savez que c'est trimestriel. Donc, eux, ben, c'est quoi ben, C'est battre les performances euh, de cela. Donc, quand ça monte, ils ont acheté. Et lorsqu'il y a des gros potentiels de baisse, eh ben, ils vont euh, dirais-je faire ce qu'on appelle du short selling, donc des ventes à découvert. Et bien sûr, avec quoi l'utilisation de levier et des dérivés, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Donc, ça. Donc là, maintenant, vous voyez bien que lorsqu'on vient avec hedge fund et qu'on met ce type d'argent, il le dit bien euh, que quoi L'investisseur est convaincu qu'il peut faire au montant, donc oui quand on dit euh, mucho dinero c'est beaucoup d'argent, mais un montant c'est comme dirais-je, des montagnes, donc là des quantités terribles d'argent, ils peuvent faire et ils le savent, quand vous avez un, 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 un actif qui passe de 3000 à 5000, un, une montée de 2000 dollars, imaginez-vous ça avec euh, du levier, ça c'est quelque chose de terrible, ben, ça ils peuvent le faire et donc ils le savent très bien. Et donc voilà, donc c'est qu'il y a une grosse bulle, et comme il dit bien que les crypto-monnaies, ça va être la bulle la plus grande euh, de l'histoire de nos vies, et on le voit bien. Donc qui dit bulle, ben dit qu'il y a trop d'argent, la bulle spéculative elle est complètement détachée de la réalité, mais en attendant là ceux qui viennent avec des 500 millions, ils peuvent faire énormément d'argent. Et donc là, vous comprenez les mouvements que vous voyez maintenant, principalement dans les cryptos et principalement dans le euh, bitcoin. Ok, il y a énormément d'argent qui rentre dedans. Vous avez bien vu que leur euh, capitalisation de marché dépasse même des compagnies qui sont établies depuis euh, euh, des décennies. Et là, ils euh, n'ont même pas 10 ans, les cryptos, et regardez déjà tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est terrible et c'est immense. Donc voilà, encore une fois, c'est qui vient appuyer la thèse, euh, enfin, même pas la thèse, maintenant c'est un fait. Les grands players de Wall Street viennent et sont tous dedans. Et là, hop, attendez. Et là, ici, qu'est-ce que vous avez ben, Vous avez euh, la preuve en vidéo. On va laisser le, ce propre monsieur, Marc. Euh, Pardon, Novogratz lui-même en parlait. Vous voyez que c'est une interview ici qui a été donnée à Bloomberg. Et le voilà, ce cher monsieur, il est ici à l'écran. Bon, là, j'ai coupé le son. Donc, vous voyez ici, ah, « au macro trader uh, Novogratz Became a Bitcoin Convert ». Donc là, il explique lui-même. La vidéo est ici. C'est une vidéo Bitcoin, de… « you know, 37 ».« You back when I was at Fortress, uh, I got a call from uh, one of my partners who was a, a traditional Luddite, uh, but he had moved out to the West Coast and everyone out there was talking about Bitcoin. So he called me up and he asked me,

un de ses amis, il lui était à New York, un de ses amis est parti euh, à Los Angeles et il lui a dit Bah tiens, ce serait pas mal que tu regardes un peu ce qui se passe avec les cryptos et surtout le bitcoin. Il a dit qu'il a mis une heure à regarder ça et c'est un monsieur qui sait ce qu'il fait, c'est un trader, donc oui, exactement, il sait parfaitement ce qu'il fait. Lorsqu'il a regardé ça, et il a dit lui-même Waouh, parfait pour la spéculation, bulle spéculative parfaite. Donc là, ils ont vu qu'il y a de l'argent à faire, point réaline. » à Donc vous voyez, vous avez ce genre de monsieur qui vient là avec euh, un demi milliard. Vous avez vu le wealth. Euh, le wave distribution du bitcoin et donc là vous voyez que ce sont eux qui sont là ça fait partie des 5% qui possèdent les 95% de tous les bitcoins et veut bien que eux ne viennent pas avec 100 200 300 on une fraction de bitcoin de 10 15 20 euros un truc pareil eux viennent fortement grandement alors maintenant vous quand vous allez investir sur ces cryptos euh, sur ces cryptos euh, enfin quand vous allez investir dans les cryptos bitcoin ou autre sachez qui est de l'autre côté, ben ce sont des gens pareils qui sont là avec ce type d'argent. Donc réfléchissez à deux fois, il y a des risques encourus. Eux ne viennent pas là pour perdre. Vous avez bien vu qu'elle dit waouh, ils ont déjà de l'argent, ils ont énormément d'argent, ils ont accès à la Fed, à d'autres trucs à, ils peuvent prendre du crédit des grosses banques d'investissement ou des banques comme JP Morgan ou tout ce que vous voulez. Ça peut même être un des clients de JP Morgan. Ils peuvent monter leurs fonds et avoir JP Morgan comme broker que JP Morgan aille acheter pour eux, comme ce qu'avait souligné Monsieur Jimmy Day, -Dimon, le CEO, pour vouloir se justifier un peu de son activité dans les bitcoins, vu qu'il était fort contradictoire, bien, bien vu qu'on a même attaqué en justice en Suède. Donc vous voyez que ces personnes-là avec énormément d'argent. Donc vous, lorsque vous allez commencer à venir et opérer dans ces cryptos, sachez avec qui vous êtes en train de jouer. Sachez que vous êtes en train de jouer avec des actifs qui sont très volatiles et qu'il faut vraiment comprendre ce que vous faites et vraiment euh, comprendre euh, bah, ce dont déjà je viens, je suis en train de parler dans tous ces crypto-rapports-là. Et ça c'est vraiment encore pour illustrer euh, mon point et ce que j'étais en train de vous dire. Euh, soyez prudent parce que c'est votre argent. Lorsque vous le perdez, vous l'avez perdu, mais eux ne sont pas là pour perdre. Ok donc voilà, donc là vous allez avoir la vidéo, pour pouvoir la regarder tranquillement. Et maintenant, à ça, on va à l'autre vidéo dans laquelle j'étais en train de vous parler de madame Linette Zeng qui elle a fait un travail terrible où elle parle ici des, de drive. Donc qu'est-ce qui bouge le prix des cryptocurrencies, donc des crypto ou is really driving the, this buzz Donc, comme elle dit, voilà, c'est une expression pour dire qui est réellement en train de conduire ce prix et tout ce qu'on est en train de voir. Et bah, c'est terrible, bah, dans sa vidéo, elle est euh, géniale, elle va encore plus loin. Elle a bien plus d'expérience euh, que moi, j'en ai, ça fait trois décennies qu'elle est là, donc c'est une personne qui sait parfaitement de quoi elle parle. Elle est, elle a bossé à Wall Street en tant que stockbroker, trader, tout ce que vous voulez. Là, elle est dans les métaux précieux, donc dans tout ce qui est euh, investissement et surtout du côté préservation de capital qui est aussi une, euh, de, du patrimoine et ainsi de suite, qui est aussi une chose euh, que je fais moi par ici. Et donc, vous voyez que là, faut bien comprendre ce qu'il y a. Donc, c'est très important de préserver ce que vous avez bien sûr il y a des mouvements qui sont en train de se passer avec les cryptos ainsi de suite mais vous devez savoir ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir en profiter ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier donc si vous avez que 10 000 de côté ne mettez jamais vos 10 000 dedans c'est une folie si vous avez ça mettez 1% de ce que vous avez donc 1% de 10 000 ce serait 100 euros ben, mettez 100 euros et voilà parce que si vous les perdez vous avez encore les 9 900 euros qui sont là de côté au moins vous allez voir ce que je sais mais même avant même de faire ça je vous conseille de quoi de vous éduquer et ben là euh, moi je suis là euh, pour pouvoir euh, comment dirais-je vous aider dans cet aspect-là mais ça c'est une autre histoire on verra ça à la fin mais là je vous laisse cette vidéo aussi vous l'aurez en euh, description de vidéo euh, plus bas OK là maintenant on continue Donc, oh, hop là, pardon pardon on va laisser madame Linette Zeng là et maintenant nous on va continuer on va à la rubrique suivante on va s'intéresser au ranking des cryptos et là, ici, comme vous le voyez, encore une fois et encore une fois, bon, on a toujours le Bitcoin en tête. Hein, comme vous pouvez le voir, le Bitcoin est en train de monter. Rappelez-vous que la semaine passée, on avait vu une forte baisse et je vous avais donné deux probabilités. La probabilité numéro un, c'était qu'on avait caressé. Euh, on n'a même pas caressé, on avait touché les 3000 directement, on est remonté. Mais après, on est resté en mouvement latéral et il y avait une forte probabilité pour que ça se recasse la figure, qu'on retourne plus bas. Si on continue encore à avoir des catalystes et des nouvelles négatives qui allaient affecter négativement l'acquisition du Bitcoin. Ou il y avait des niveaux clés que j'ai dit au-delà desquels il fallait réellement qu'on attende, qu'on ait des confirmations, une fermeture là et qu'on puisse aller plus haut. Mais là, apparemment bah, les cryptos ont choisi d'aller plus haut. Comme vous voyez ici la tendance dans toutes les cryptos est une tendance haussière. Et donc là maintenant on va vraiment déterminer si c'est vraiment cette tendance, si c'est réellement viable. Parce que lorsqu'on a un actif euh, qui est très volatile comme le Bitcoin, vous avez vu que... En un clin d'œil comme ça, ça peut changer de direction et ça peut tomber très 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 vite. Donc là maintenant, bah, on verra c'est quoi. Si réellement on voit que les mouvements, comme maintenant on voit qu'il est à 4300 et plus, ils continuent à monter, c'est qu'il y a eu une accumulation, une accumulation d'ordres d'achat rapide de la part d'institutionnels et ce sont eux avec autant d'argent qui peuvent continuer à faire bouger tout ça. Donc d'un côté, ce serait quoi l'idée L'idée, on va rapidement l'illustrer ici afin que euh, l'on comprenne un peu ce qui se passe vous voyez que maintenant euh, comme on est en train de le voir on a beaucoup de mouvements qui se passent du côté euh, de l'Asie et ainsi de suite et euh, donc qu'est-ce qu'il y a on a deux forces vous voyez il faut toujours penser comme un banquier ça c'est ce que ben, c'est ce qu'un banquier lui-même euh, m'a appris que moi j'ai appris avec des banquiers ils m'ont appris à penser comme eux lorsqu'il y a quelque chose parce que c'est eux qui créent les catalystes. et il y a toujours le jeu smart money et dumb money donc ici, si on met euh, Smart Money, donc ici, ce serait quoi Ce serait l'argent intelligent, donc de ce côté-là. Donc ici, on a quoi Là, on a les institutions, et eux, ils cherchent à acheter. Et d'un autre côté, ici, ben, on a euh, peut-être même pas les particuliers, mais on va dire euh, d'autres personnes euh, du côté asiatique, ainsi de suite. Et qu'est-ce qui est en train de passer Qu'est-ce qui est en train de se passer Les personnes ici du côté de l'Asie, vous voyez qu'eux, ils ont fait quoi Ils étaient en train de vendre en masse, en masse, en masse. Sachez que c'est là-bas qu'il y a le gros volume de Bitcoin et tout ça. On a vu beaucoup de catalystes qui venaient premièrement du PBOC. Ensuite, on a eu le problème des ICOs. Ensuite, on a eu le problème des exchanges. Ensuite, on a eu le problème des, quoi? des mining companies. Okay? Donc tout ça a un problème. Donc ce sont ces compagnies-là qui sont principalement basées en Asie. Donc, euh, je vous rappelle, la Chine, euh, Corée du Sud, Singapour, Japon, et ainsi de suite, qui opèrent réellement dans toutes ces cryptos, vu que ceux qui les créent, ceux qui ont le gros volume, donc ceux qui les, les possèdent, s'il y a un gros catalyseur chez eux, qu'est-ce qui qu qu va, qu qu va se passer Il va se passer que toutes ces personnes qui vont être là, elles vont vendre. Donc ici, vente. Mais Maintenant, d'un autre côté, vous avez les gros investisseurs, et on va dire qu'ici, principalement, ce sont, des, ça, ce sont des personnes qui sont en Asie, et on va dire ici, c'est euh, New York, et on va dire des gars qui sont en City of London. Ok, et eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ben, eux, ils veulent acheter. Donc là, vous avez parfaitement votre équilibre euh, d'un côté entre oui, ouais, y a une balance ici entre offre et demande, eux, ils voulaient acheter, et là, on a vu euh, comment dirais-je. Euh, la vente qui a eu lieu ici a permis à ces personnes-là d'acheter là à un prix nettement plus bas et maintenant vous voyez, vous n'allez pas arrêter de voir des personnes comme ça qui vont sortir avec 500 millions, 100 millions, 50 millions et ainsi de suite pour être là, à venir acheter donc la forte baisse des prix qu'on a vu ici bah, ça a permis à ceux du côté de Wall Street comme vous avez vu, Monsieur Novogats, JP Morgan Goldman Sachs, et ainsi de suite, pouvoir acheter à 3000 et maintenant bah, remettre le prix plus haut, donc voilà, c'est juste été un, euh, euh, comment dirais-je ben, une transaction facile entre offre et demande, mais basée premièrement sur un catalyse. On a, on a, vous avez vu que M. Jimmy Dimon, ici, de ceux de New York, a été traîné en justice pour fraude, divulgation d'informations mensongères et ainsi de suite. Et après, on voit que c'est lui qui achète derrière. Donc, ben, ben, c'est ça. Donc, ça, c'est Smart Money. Et dans Money, bon voilà, mais là c'est un jeu entre, vu que c'est un jeu entre euh, grosse puissance et euh, personnes qui ont énormément d'argent pour se permettre euh, d'acheter des bitcoins à un, niveau, euh, à un niveau pareil. Ok, mais donc là vous voyez que là, avec ce qui s'est passé, ben, maintenant euh, ils ont pu récupérer le bitcoin euh, vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Et vous voyez que de 3000, il euh, y a déjà une montée de 1350 dollars qui est là, et ben c'est fait. Donc là, là c'est pour euh, cela. Et on voit que directement, la market cap, donc la capitalisation de marché du Bitcoin est remontée à 72 milliards. Numéro 2, on a Ethereum qui est à 300 qui est aussi en train de remonter. Même graphique. Numéro 3, Litecoin, 55 dollars en train de monter. Numéro 4, Kitu, hein, qui était déjà rentré dans le top 10 ça fait 2-3 semaines. Là, et on voit aussi sa tendance haussière maintenant est à 11 dollars. Ethereum classique, 13 dollars aussi dans une tendance haussière. Bitcoin Cash. Aussi à maintenant à 447 dollars et toujours aussi dans une tendance haussière. Enfin, lui va plutôt de manière horizontale, mais en gros, monte avec les autres cryptos, mais bien plus lentement. Numéro 7, NEO à 33 dollars qui est en tendance haussière. Numéro 8, Ripple qui, rappelez-vous, était dans les 13 cents, maintenant il est monté à 20 cents. Vous voyez bien ici monter clé et, et ça rapproche vers ses niveaux de résistance. Donc on va voir pour, probablement le euh, Ripple aller au-delà des 30 cents. Numéro 9, Zcash 283 dollars. Lui, c'était une forte montée et là maintenant il est complètement flat, il n'y a pas réellement de, de mouvement. Et numéro 10, Omisego, euh, qui aussi reste de manière latérale. Et vous voyez que Dash et IOTA 11 et numéro 12. Rappelez-vous la semaine prochaine, je vais faire un spécial IOTA. Et IOTA, on voit que dans une claire tendance haussière et Dash réellement en train de baisser. Dash, ce qui est marrant, c'est que lorsqu'on voit toutes les cryptos qui montent, le Dash descend. Et lorsque, ben vice-versa. Donc c'est inversement, euh, on va dire quoi Il y a une corrélation négative entre cela. Quand dash monte les autres descendent et quand les autres descendent, le dash monte. Enfin, non, je dis deux fois la même chose. Quand le dash monte, les autres cryptos descendent et lorsque les autres cryptos montent, et eh ben le dash il descend. Ok, donc là maintenant on continue et maintenant on va s'intéresser un peu à la performance juste pour vous montrer euh, l'entrée euh, dans la grande famille des currencies, donc des devises ici pour le bitcoin et l'Ethereum. Donc, ici, lorsqu'on a les, euh, les monnaies les plus vues, donc vous voyez euro dollar, euh, ainsi de suite, ainsi ça. Qu'est-ce qu'on a directement en dessous On a le Bitcoin-dollar ici et Ethereum-dollar ici qui sont déjà dans la grande famille des currencies, donc dans le marché Forex. Ils sont là. Et ici, on va regarder la performance hebdomadaire, voir un peu, bien sûr, quelles étaient euh, les devises, comment ça s'est passé avec, dans le marché des devises. Et comme on voit, bah encore une fois, au niveau journalier, à la hausse pour le Bitcoin face au dollar, à la semaine, c'est encore une fois le dollar près de 20% de hausse. Au mois, a perdu plus de 5% de perte pour le Bitcoin, mais au total, à l'année, rappelez-vous, on était dans les 700% de gains lorsque le Bitcoin était au-dessus, on était dans la zone des 5000$, dollars et maintenant que cela a baissé, on retourne à la hausse, mais c'est quand même 600% en un an, donc ça c'est euh, toujours magnifique, ok Et maintenant, on va terminer dans les 10 dernières minutes, on va aller directement à l'analyse euh, euh, technique, et on va euh, rapidement jeter un oeil... Et donner à ramener un peu une continuité à ce qu'on est en train de voir euh, la semaine passée, voir les probabilités euh, d'opération et tout ce qui va se passer. Attendez, je vais boire un coup rapidement. Voilà, voilà. Excusez-moi et merci. Et euh, là, on y va. Ouais, là, on est déjà à une heure d'émission. Donc là, on va voir les dix dernières minutes. Vu qu'on attend juste des niveaux de confirmation par rapport à ce qu'on est en train de voir la semaine passée. Ah oui, attendez, il faut que je télécharge mes presets Ici et là, oui hier j'avais terminé avec le litecoin donc là on va retourner au bitcoin rapidement on va attendre que ce cher monsieur qui veuille bien charger mes graphiques alors ici on va aller là voilà là je suis là voilà. du soleil je n'ai pas le temps de baisser les stores mais bon c'est pas grave c'est pas moi le plus important c'est les graphiques le plus important ici voilà voilà not now et maintenant, on y va et on va d'abord recommencer par de bitcoin. BTC USD, hop là, là Tu sais même pas écrire hum, bitfinex. Ouais, toi je te ok. Voilà, voilà, voilà. Ok, on y va, on y va. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a à voir? On va agrandir le graphe et on va directement aller à ce qui nous intéresse. Nous, on va mettre ça comme ça, comme ça on voit un peu la projection. Voilà. On doit voir bien sûr qu ce qui s'était passé aussi avant. La zone des 3000. Attendez, moi je vais mettre... Voilà, là comme ça je ne dérange pas. Et voilà. Donc rappelez-vous, on avait ici vous avez les hauts des 5000 et depuis là les news, PBOC aussi, JP Morgan, tout ça durant ces deux semaines. boom, sell-off ma massif. Rappelez-vous, ici on avait la zone de 3000 comme résistance, qu'on n'avait pas allé au-dessus. On a juste. Euh, C'est durant les vacances qu'on a perforé cette zone à la hausse. Et maintenant, ici, on est revenu tester. Après tout ce qui s'est passé, tout la débat que Jimmy. Enfin, d'abord en Chine, et ensuite JP Morgan et tous les grands banquiers. Boum, 3000, oui, comme je le disais. Bon, je ne vais pas trop me répéter, mais juste en résumé rapidement. Trop chirurgical, 3000. 3000, c'était une zone parfaite, on l a touché, on est reparti. Ça, c'est ce qu'on appelle un pointer. Donc ça, en général, cela nous montre exactement la direction que l'on peut prendre. Vous voyez, comme ici. L'histoire se répète, mais pas toujours. Mais vous voyez qu'à partir de là, on a une interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines et ensuite ici 13 semaines, 21 semaines, on est allé à la hausse. Mais ici, on était directement, la différence entre ce point-là et ce point-ci, c'est qu'ici on était déjà en dessous de la moyenne mobile de 13 semaines. Tentative d'interaction avec la moyenne mobile de 21 semaines et directement on est reparti à la hausse. Et ici on avait ce qu'on appelle un patron good morning, donc un V parfait. Donc venir ici, ouais, plus ou moins là comme on s'y attendait, là on avait déjà quelques probabilités qui montraient cela jusque là et même pour aller plus bas. Aller plus bas ça n'a pas été le cas pour venir ici en zone de support de canal haussier et même avoir une interaction avec la moyenne mobile de 21 semaines, rebondir et aller à la hausse. mais Maintenant on ils ont décidé de le faire bien plus haut. Ils ont maintenu ce niveau, euh, pas plus bas que les 3675, et de là, ils ont décidé de rebondir. Il y avait un inside week-end la semaine passée. Vous voyez que maintenant, on est au-dessus des niveaux de la bougie baissière. Donc, si on a une clôture et qu'on continue à se maintenir haussier, bon, on serait haussier pour retourner vers les 4000. Euh, ouais, on est déjà dans les 4000, aller vers les 4500 et ensuite vers les. Euh, 4800, vous voyez qu'on avait ce niveau-là maximale. Et rappelez-vous ce que je vous disais la semaine passée, qu'on avait un point de convergence ici entre la moyenne mobile de 4 semaines et de 8 semaines. Et que si les 50% de cette bougie baissière, vous voyez ici j'ai tracé cette ligne pointillée en rouge, on était au-dessus de cela et qu'on pouvait clôturer au-dessus de ça, ça ce serait déjà un signal d'achat très fort. Et vous voyez que là c'est en train de se confirmer. Mais comme je dis, avec les cryptos, vous voyez ici ça a été le cas. On avait une baisse et directement on est reparti à la hausse vu qu'on est dans une force. Dans une tendance haussière, donc c'est normal de s'attendre à, à ce qu'il y ait bien plus de ventes. Mais ici, c'était de trouver des zones d'entrée où, où on aurait pu maximiser au maximum les, euh, les profits et avoir moins de risques. Parce qu'ici, on a toujours de risques de quoi Donc euh, à n'importe quel moment, cela peut se renverser. Et en étant ici, ben, voilà, on est comme dans une zone de support. Donc on, on peut avoir un stop bien plus, euh, bien plus petit, donc bien plus serré. Mais ici, vous voyez que rentrer là à un certain niveau, il y a tout ce potentiel de baisse qui est encore là. Mais là, si cela se maintient, ben, on pourra aller rapidement vers le haut. Vous voyez que ça c'est une spéculation rapide hein, de 4000 à 4600, ben, c'est ça, c'est parfait. Et si on est au-delà des, des, euh, des 4600, ben, on a encore 400 dollars qu'on peut faire ici de 4600 à 5000. Et ça, c'est l'opération que je vais être en train de préparer. Ok, il y avait déjà 7, 6, ce numéro 1 là. Très rapidement là, ça va donc c'était ou à la baisse ou à la hausse, mais ça choisit d'aller à la hausse. Et alors maintenant, on attend la continuité là. On j'espère voir cela au niveau des 4500, proche des 4600. Et si c'est le cas, ben, il y aura encore une autre opération, une autre grande possibilité d'opération pour aller vers les 5000. Mais ici, déjà, c'est une zone très importante. Pourquoi Parce que ces deux bougies s'annulent et réellement, ça nous met la résistance. La monnaie la résistance enfin parfaite oui c'est bien ça la résistance parfaite ce sont les 4350 donc il me faut une clôture au-dessus des 4350 et ensuite une continuité et donc là maintenant bah vous voyez que là maintenant les nouvelles négatives que l'on a vues n'ont plus affecté euh, comment dirais-je la baisse euh, n'ont plus affecté la cotisation du bitcoin donc on va rester haussier ici donc bitcoin on est reparti à la hausse mais vu la volatilité on est toujours sur nos gardes ouais, voilà euh, comment dirais-je quand on est un spéculateur et un trader euh, on fait des profits, c'est bien, mais ce qu'on est en train de faire, nous, c'est notre labeur, c'est quoi C'est de gérer le risque. Donc, à tout moment, moi, j'ai mes yeux fixés sur les risques. Si j'ai mes yeux fixés sur le côté négatif de l'opération, c'est-à-dire le risque, quand euh, ça va vers le haut, ben, je serai juste là en train d'assurer mes gains. Mais la chose la plus importante, c'est les risques. Il y a des gains, tant mieux, mais moi, je veux réduire les risques au maximum. Donc, oui, c'est ça qu'on regarde. Et si on monte, en plus on, 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 plus on monte, eh ben, on sera là pour euh, profiter de la hausse. Alors là, maintenant, on va USD Donc, on va regarder rapidement le Bitcoin Cash. Face au dollar américain. Donc, Bitfinex, c'est lequel euh, il est là aussi, c'est le number one. Et voilà, donc ici, en hebdo, on n'a pas grand chose à faire. On va regarder plutôt le price action ici en, en journalier. Et là, comme vous, vous pouvez le voir, ici, le price action en journalier, qu'est-ce qu'il nous dit on a eu cette grande baisse, donc cette grande distribution, et vous voyez que depuis là, on est resté dans une zone horizontale. Vous voyez que le inside week candle, vous voyez que la range de prix, elle était là. Donc on a un support à 381, et on a ici la résistance à 500 dollars, et vous voyez qu'on est là en inside week, inside week. Donc vous voyez, première distribution, accumulation, redistribution, accumulation timide, donc ça prend son temps. Toutes les moyennes mobiles journalières, elles sont là, elles sont horizontales. Donc qu'est-ce que l'on veut voir réellement? fort potentiel d'achat si réellement on est au-dessus des 475, mais encore mieux ce serait d'être au-dessus des 500 et voire même des 525 dollars, parce qu'on a toute cette zone là qui est une zone d'indécision, c'est des accumulations, mais il n'y a pas assez de force pour réellement exploser. Là, vous le voyez comment. Regardez tout simplement les bougies baissières, comment elles sont vous voyez que Les bougies baissières sont bien plus imposantes que les bougies haussières. Les bougies baissières, elles sont décisives et elles ont de la continuité, même lorsqu'elles ne sont pas décisives, c'est dans une continuité, parce qu'il y a un grand coup de pied qui a été lancé et ça continue à descendre. Mais lorsque c'est haussier, ce sont des bougies timides et il n'y a pas de continuité. Donc là, maintenant, vous voyez que les bougies baissières, elles sont très puissantes. Et là, les bougies haussières qu'on attend, bah ben non, il n'y euh, a pas de force. Donc on est toujours horizontal ici, toujours en mouvement horizontal. Et là, qu'est-ce qu'on attend au niveau journalier euh, Réellement, numéro 1, il faut un break au-dessus des 485. Mais on a cette zone d'annulation ici, ce Good Evening là ici. Et donc là, le mieux, ce serait au-dessus au des 525. Atteint les 525, confirmation au-dessus des 550. Vous voyez, 550, c'est le point pivot qu'on avait ici. Et ici, ça correspond aussi à, une ancienne, à ce support ici des 525, 530. Et là, maintenant, c'est une résistance. Donc, on doit être au-dessus de ce niveau-là pour pouvoir aller à la hausse et retourner vers les 675, voire les 700 dollars pour le Bitcoin Cash. OK Donc là, voilà pour le BCC USD. Maintenant, on va faire quoi ouais Ethereum. ETH USD. Donc, Ethereum USD. Alors, Bitfinex, il est où Voilà, c'est celui-là. C'est le premier. Donc, voilà. Ouais, là je vois que la vidéo avec les zones d'homme le soleil, maman, ben bon, c'est pas grave, ne vous focalisez pas sur moi, regardez plutôt ce qui se passe à l'écran, c'est bien plus intéressant. Ok, donc voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a ben, Ici, on a exactement la même chose que l'on a vu. Vous ici, il y a eu cette grande montée. Encore une fois, je le répète, rejet, euh, je le répète je le répète, pardon. Rejet des 425 dollars. Distribution ici, accumulation, redistribution. Vous voyez qu'il y avait un canal haussier. Vous voyez les grandes lignes rouges ici, le support du canal. La résistance du canal, le canal intermédiaire ici qui nous fait support, résistance, support. On a rebondi sur le support. Là, maintenant, on a un signal d'achat. Oui, point de convergence ici entre la moyenne de 4 semaines et de 8 semaines. On est vraiment au niveau euh, d'inception, de commencement, d'inception de, de la bougie baissière ici. Qu'est-ce qu'il nous faut Vous voyez, là, on la rejette. Vous que c'est très timide. On doit être au-dessus de ce point-là. Pulvériser les 50% de cette bougie baissière ici, donc les 325 dollars, et de là pulvériser la résistance et revenir aux 375. Ça, c'est le but. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans un moment euh, très critique. Donc, rappelez-vous, on a deux canaux ici. On a le canal haussier, la résistance, euh, non, pardon, le support, vous l'avez ici. Vous voyez ici, intéressant que le support, un bas et un bas plus haut. On rebondit, donc ça, c'est les points pivots typiques. Mais là, ici, vous avez la résistance du canal haussier. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est formé on, a, on appelle ça un euh, bullish flag. Donc vous voyez, ça c'est le mât du drapeau, donc c'est un drapeau, et là ici vous avez le drapeau, là directement, qui nous fait résistance, support au bas, on remonte à la résistance, on voyez que c'est un haut, et c'est un haut plus bas, donc on est bien plus bas que ce niveau-là, et ça c'est un principe qui initie une tendance baissière, mais pas tout à fait, pourquoi Parce que c'est un boule bullish flag donc on reste haussier ici la tendance est haussière vous voyez que quand vous regardez les lignes rouges on est en support de canal et là maintenant on veut rebondir ici pour aller vers le haut et on a une formation de triangle vous voyez ça ce serait notre triangle ici et maintenant on attend jusqu'où qu'il qu y ait une rupture à la hausse donc une rupture au-delà des au-dessus des 350 dollars et ça correspond aussi à ce niveau de résistance on irait vers les 375 on pulvérise les 375, on va à la hausse 400, 400 et de 400, Ethereum aller, devrait aller bien plus. Donc si on a cette tendance réellement qui se généralise, euh, on va dire la tendance haussière qui se généralise dans toutes les cryptos, donc oui, rappelez-vous, on va avoir toutes les cryptos qui vont monter, mais le dash va baisser, alors là, on sait qu'on restera haussier avec le Ethereum. Donc pour le moment, ben, c'est timide, mais on peut s'attendre encore à avoir euh, une poussée la semaine prochaine, si le Bitcoin se porte bien et qu'Ethereum se porte bien et tout ça. Comme je vous dis au-dessus des 320-325, pour moi ce serait un ordre d'achat et d'aller vers les 350. Ok, donc là, ça c'est pour le euh, ETH, donc l'Ethereum. Alors là, maintenant, on va aller vers quoi On va faire le Litecoin et puis Dash LTC USD. Alors, il est où celui-là Voilà, il est là. Oh, c'est GDAX. Parce que je pense que j'avais mes préceptes avec... Euh, ah non, bah non c'est bien avec celui-ci. Donc voilà, ici, vous voyez qu'on a une, un canal haussier très, très, très bizarre. Vous voyez le patron. On appelle ça euh, step stairs, Pardon, donc escalier. Donc c'est un escalier haussier, vous voyez, comme ça se fait là. Mais vous voyez ici qu'il y a une forte distribution, mais toujours dans un inside week-end. Donc vous voyez que cette grande bougie verte, une, deux, trois, quatre semaines, dans euh, la zone, dans la range de fluctuation de cette grosse bougie. Donc on allait de nulle part. Qu'est-ce qu'on veut On veut une direction. Où on est en dessous, où on est au-dessus Apparemment, ici, on marque ça comme support. Vous voyez, c'était le même patron dans toutes les cryptos, comme dans le Bitcoin, le long pointer. On a marqué ce point-là, ici, les 47 dollars comme support, qui correspond à cette résistance ici. Et là, maintenant, on a un point de convergence entre la moyenne de 4 semaines et de 8 semaines. Qu'est-ce qu'on attend maintenant Au-dessus de ce niveau-là, donc les 60 dollars, mais bien mieux, au-dessus du niveau des 62 dollars on irait vers la hausse. Et là, ce serait vraiment remonté vers les 80 dollars. Donc voilà, il y a quand même un beau potentiel haussier. Mais il faut que l'on ait réellement euh, cette impulsion haussière et cette continuité de tendance. Ici, on a ça. Vous voyez qu'on a cette ligne ici. Là, on est dans la zone de vente. On doit être au-dessus. Vous la ligne verte ici, cette flèche verte. Nous montre bien que si on est au-dessus de ce niveau-là, donc une clôture avec une bougie verte ici, à ce niveau-là, donc près des, au-dessus des 50% de cette bougie-là, dans cette zone-là. Et euh, ça, c'est déjà un signal d'achat. Et numéro 2, deux, deuxième signal d'achat, ce serait quoi ben La continuité. Donc là, on pourrait déjà commencer à mettre des ordres d'achat avec des stops dans cette région-là. Et attendre, euh, premièrement, à remonter vers les 80$ et max retourner vers les 100$ dollars qui, pour moi, euh, ça va réellement le faire. Là, ce qu'on appelle, pour moi, c'est un trade gratuit. Pourquoi Parce qu'on a vraiment ce patron-là en V. Et ça, c'est un, un patron qui fonctionne souvent. Dès qu'on a un pointer, nous marque le point max. Oui, que ce soit à la hausse comme à la baisse. Mais ici, il a décidé de rester haussier si on a le pointer qui nous marque les 100 dollars, une fois qu'on a une confirmation d'achat ici, on reviendrait facilement vers les 100 dollars, mais là, qu'on y a toujours des risques en cours de route, mais c'est pour ça qu'on fait du risk management. Donc tout simplement, on est là et Lightcoin haussier comme toutes les autres cryptos. Alors maintenant, on va au dash dash euh, USD et on va regarder voilà, il est là. Donc dash avec euh, face au dollar américain. Et le dash est exactement pareil, pareil, pareil. Vous voyez, on a ce gros inside week candle. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on n'a pas de direction. On a la résistance à 40$ et le support exactement à. Ah, pardon, à 400$, excusez-moi. Et le support à 280$. dollars. Vous voyez ici, le même pointer. Donc, il n'a pas choisi d'aller plus bas. Il a rebondi ici. Vous voyez qu'on a ce V encore qui est en train de se former. On a eu une interaction avec un mobile de 13 semaines et de là, bon, mon doué. C'est ça que je vous disais. Regardez ce qui est en train de se passer avec le Dash. C'est ce qu'on a vu avec... Euh, c'est ce qu'on pourrait voir avec le Bitcoin. Vous voyez qu'on on rejette. On est à la hausse, mais directement, on peut retourner vers le bas. Mais là, c'est une baisse timide. Mais là, à n'importe quel moment, cela peut se passer. Pourquoi Parce qu'on est dans les... On est toujours dans la zone inférieure de la, du Inside Weekend. Vous voyez cette grande bougie verte, on est ici. On est dans la zone inférieure. Donc maintenant, il faut qu'on ait une continuité à cette bougie. On a déjà numéro un quoi. On est au-dessus déjà de la moyenne mobile de 4 semaines. Si ici je trace une ligne, je suis en zone d'achat. Mais maintenant, il me faut une continuité. Donc ce serait achat au-dessus des 370 dollars pour aller vers les 400 et en zone de quoi et aller en zone de résistance de canal vu qu'on est dans un canal haussier vous voyez euh, support résistance support et maintenant ce sera les recherches à la résistance donc projection pour le pour le dash les 480 dollars si on a une confirmation d'achat numéro 1 on a continuité à la bougie haussière ici résistance des 400 dollars on doit être au-dessus des 412, 420 dollars et de là, on a le chemin libre pour aller vers les 480, ok Donc là, si on a une grosse tendance haussière maintenant, si tous les problèmes et toutes les news négatives, on va dire, on les laisse de côté, que maintenant, ça devient positif, oui, rappelez-vous, beaucoup de Wall Street qui vont mettre beaucoup d'argent, c'est ça le truc. Beaucoup de demandes, l'offre peut commencer à augmenter ses prix pour y a beaucoup de demandes. Donc ça, il faut qu'il y ait ce déséquilibre. Plus, euh, plus de demandes que d'offres et là ça va faire que les prix de l'offre vont commencer à monter. Vu qu'il n'y aura pas cette place pour tout le monde, donc les places doivent se payer cher. Et là on verrait ben, toutes les cryptos monter à la hausse. Et là on va finir avec euh, les deux Benjamins. Le XRP, donc on a quoi C'est Ripple, US Dollar, voilà, on l'a là. Et ensuite on va faire IOTA. Mais IOTA on va plus aller en profondeur euh, la semaine prochaine. Donc, vous voyez, uh, Ripple, la même chose. Rappelez-vous, Inside Weekend, cette grosse boug bougie haussière. Le pointer qui, pont, qui pointe les 30 cents. Et ici, on est là où est en zone euh, baissière. Mais on a les moyennes mobiles qui, vont de manière, qui sont en range latérale qui bougent de manière horizontale. On a déjà une clôture au-dessus de la moyenne de 4 semaines. Et vous voyez ici, là, on est toujours en zone euh, de vente. On doit réellement être au-dessus numéro 1 des niveaux des euh, 22, 23 cents. Et réellement, la clé, c'est d'avoir une bougie verte, donc une clôture ici. Donc, dans une ou deux semaines, avoir une clôture à ce niveau-ci de 23, euh, 23 cents. Et de là, on aurait chemin libre, premièrement pour aller vers les 30. Et ici, vous voyez le max ici de 35 cents. Et ensuite, réellement, aller plus haut. Donc, Ripple a un beau potentiel devant lui. Mais vous voyez que ça prend son temps. C'est une longue accumulation et ça peut être long. Parce que maintenant, les personnes sont habituées à voir les fluctuations du Bitcoin. Mais rappelez-vous que le Bitcoin, et Ripple n'est pas le Bitcoin. Donc, ici, ben voilà, chaque bête va. Voilà, toutes les voitures ne sont pas une Ferrari. Il y a une deux chevaux, une Renault Clio, c'est pas une Ferrari. Donc, voilà, c'est la même chose. La Ferrari, c'est Bitcoin. Et pour le moment, il y a une Renault Clio ici qui est Ripple. Mais elle aura une évolution qui va en faire une voiture euh, décente et qui va aller ben, à sa vitesse. Mais voilà, il y a moins de volatilité. Donc, ça, ce serait quelque chose de bien plus calme. Donc, il euh, euh, faut prendre son temps ici. Ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre des années. Ça, euh, moi, je ne le sais pas. Alors, ici, on a Yacht. USD. Donc, on va regarder rapidement le IOTA pour voir un peu le price action ici. et On va terminer avec le IOTA. Et rappelez-vous, la semaine prochaine, on va vraiment faire une analyse bien bien étendue. Donc, ici, on va rapidement regarder ça au niveau hebdo. Donc, on n'a pas trop de data. On a que la moyenne mobile de 4 et de 8 semaines. Donc, on a une super montée. On est arrivé à ce niveau-ci. On a baissé. Donc, on a déjà une résistance. On a déjà un point de support. Donc, c'est ça pour moi, j'adore ces patrons-là. C'est un trade gratuit. Donc, là, moi déjà, je vois déjà un ordre d'achat. Allez, je vais la jouer conservatrice, euh, conservateur au-dessus des 70 cents. Boom, achat pour aller vers euh, le dollar, euh, vers un dollar. Donc ici, rapidement, on va faire mon petit dessin pour que je vous montre exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. On va mettre ça en vert. Je vais me dessiner quoi, un joli canal. Voilà, donc on va dire que bon, mon canal, je vais l'improviser. Vu que je n'ai pas, vous voyez, bon, en général, je devrais pas, je peux pas le dessiner comme ça parce qu'il me faut réellement euh, deux points. Pour pouvoir relier euh, comment dirais-je pour réellement pouvoir relier euh, réellement pouvoir relier euh, euh, relier réellement euh, deux points différents attendez celui là il s'est enrhumé Oops. il est sorti de là voilà ben il voulait pas faire euh, le iota on va revenir dessus rapidement ce n'est pas grave c'est le direct. Oui, il me faut réellement deux points pour pouvoir euh, relier euh, mes niveaux de support pour déterminer mon canal haussier. Mais là, je n'en ai pas. Mais euh, j'ai déjà quelque chose de, de parfait. C'était quoi Qu'est-ce que j'avais qui était parfait J'avais euh, la chose parfaite que moi j'avais, que j'aimais bien, c'est que j'avais déjà. Oh non Non, non, non. Je ne veux pas qu'il ait dit que je voulais 10 dit, dit... Ah. Ouais, parce que j'appuie sur la croix. Donc, ce que j'aime bien, euh, on va rapidement recharger euh, retélécharger euh, le graphe. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ça, c'est quoi C'est que j'ai directement des niveaux, un niveau de résistance à 1$. Et vous avez vu le niveau de support, il est où Et vous avez vu le patron. Donc, vous voyez, ils sont en train de faire un A, B, C, D. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réellement, réellement aimé. Et là, j'ai déjà, euh, comment dirais-je, d'un point de vue technique, j'ai déjà une opération euh, gratuite. Là. là, je vois déjà l'opération comme ça à l'œil nu. Je n'ai pas besoin d'attendre… Euh, 36 millions d'années pour qu'il se passe quelque chose. Là, juste en le voyant comme ça, je me dis, oh, là, j'ai une opportunité. Boum, il faut que j'aille dessus. Donc là, bon, là, je vais éviter de, de trop dessiner là. Donc, voici voyez ici, j'ai quoi J'aurai mon point A, mon point B, mon point C, et là, je remonterai là, là comme ça pour aller vers un point D. Donc, attendez, je vais essayer d'avoir les flèches. Voilà, la flèche, c'est bien mieux. Donc, voilà, je vais avoir moi, ma petite flèche là. Ici, et je vais mettre ça comme ça. Bon, attends, apparemment, lui il n'a pas envie de dessiner aujourd'hui, il est malade. Ah, bah voilà, quand tu veux, voilà. Donc, on va dire ça comme ça. Si moi j'ai ceci, ok, ouais, j'ai ça maintenant. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cloner ça, j'en ai un deuxième. Voilà. Ouais. L'opération pour moi, ce serait la suivante. Moi, j'ai déjà ceci. Donc, j'ai déjà mon A, mon B, mon C. Et maintenant, je dois aller vers mon D. Imaginons que ça, ce soit mon point d'inception, donc mes 30 cents. Donc, j'ai un bas et un bas plus haut. Réellement, je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'ici, je n'ai pas tellement de data. Je suis en graphique et hebdo. Là, on vient de nous le donner. C'est les informations qui nous viennent du, de la bourse Bitfinex. Donc, euh, on fait avec ce qu'on a. Mais si je dois. Attendez, je vais m'éviter des problèmes parce que je crois que j'ai chargé trop euh, de graphes euh, et j'ai trop de pages ouvertes. On va faire ça comme ça, rapidos. Et voilà. Si je fais ça comme ça et que ça, je le mets en vert, là, qu'est-ce que j'ai là déjà Oui, moi, j'ai ce type d'opération. Moi, ce que j'attends ici, vous voyez ici, on va apparaître la moyenne de 8 semaines et ça correspond avec cette bougie. Donc là, on va rentrer là-dedans. Je dois pulvériser les 50% de cette bougie. On est tout juste dessus. Et le mieux, ce serait quoi D'être au-dessus des 70. Une fois que je suis au-dessus des 70, mon target ce serait déjà les 85. Les 85, j'irai là. Donc ce serait quoi euh, 15 cents, 15 cents. Donc de 70 à 85, boum. Euh, là, j'assure des bénéfices, je remonte mon stop. Et de 85, je monte à 1 dollar et ainsi de suite. Et réellement, ma target ce serait aller vers les 1 dollar 15, 1 dollar 20. Ouais, ce serait réellement ça. Donc là, oui, c'est le typique A, point B, point C et point D. Donc canal haussier typique, IOTA, je le vois fortement haussier. Maintenant, bah, il faut s'intéresser à l'utilité. Et réellement, euh, bon fondamentalement, il n'y en a pas réellement, mais c'est plutôt l'utilité ici. Qui l'utilise, qu'est-ce qu'il y a, et après techniquement comprendre les, les, euh, les patrons que l'on est en train de voir ici. Et donc c'est ça, donc pour moi, Iota, c'est un super, super achat, et ça, je vais garder cela. Et voilà, donc rappelez-vous qu'on a la grosse résistance ici à 1$, et vous voyez que la résistance de 1$, ça me fait une opération que j'adore, c'est celle-ci, distribution. Accumulation, accumulation de prix, on remonte vers le dollar. Donc ça, vous voyez qu'on a ce potentiel là. On a 30 cents à se faire ici. Déjà sûr à la résistance parce que ça va toujours revisiter ce niveau-là. Et si on peut pousser plus haut, ben on peut réellement aller euh, là. Ok, donc là, ce serait déjà ceci. Et voilà. Là, voilà tout pour cette semaine. On était un peu plus long que d'habitude, mais rappelez-vous que la semaine prochaine, on va faire quoi On va faire un spécial IOTA et bien sûr, on va continuer à regarder l'actualité. Et pour tous ceux qui veulent me contacter, et d'abord, déjà un grand merci à tous ceux euh, qui sont fidèles, pour vous tous qui êtes fidèles à, ben, à la chaîne et au Crypto Rapport qui est en train de commenter, d'apporter aussi ce que vous pouvez apporter. Et à pas mal de personnes aussi qui m'ont ont, enfin, envoyé des messages en privé et ainsi de suite qui était intéressé par tout ce que j'étais en train de faire, qui aussi veulent apprendre à faire ce genre de choses et à pouvoir opérer avec bien plus de sécurité. Et bien là, eh ben, on, a toute une sorte de, enfin, on a un programme à manuel très simple qui est... Euh, euh, facile à assimiler, peu importe votre niveau. Donc, là, contactez-moi ou par message ici ou au numéro ici directement par WhatsApp et Viber et je vous expliquerai exactement bah, ce que vous pouvez faire. Ou vous pouvez, euh, voilà, si vous voulez vraiment faire comme je fais moi de la spéculation, ben bah, voilà, comment euh, spéculer et ainsi de suite de cette manière-là. Et euh, là, il y a deux types de services ouais, le service en consulting privé ou directement vous pouvez acquérir le manuel. Euh, le manuel qui va vous apprendre à, euh, comment dirais-je, euh, spéculer, trader et investir sur, euh, tout, sur tout type d'actifs, et notamment aussi les cryptos. Donc vous allez vraiment apprendre ce qu'est la gestion euh, d'un portefeuille spéculatif. Donc vraiment faire ce que fait un hedge fund. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Peu importe la direction, on est là et on fait des sous. Et donc voilà, donc là vous me contactez et on va vous parler de tout ça. Alors soyez tranquille Tout ce qu'on a vu, tout ça vous l'aurez dans la description de la vidéo plus bas. Et nous, on se retrouve. Tous ensemble la semaine prochaine. Alors ayez une bonne fin de week-end et on se voit la semaine prochaine. Merci à vous tous et merci encore pour soutenir le Crypto Rapport et la chaîne YouTube, le Trading World TV. Et pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par les services que l'on offre et que j'offre au www.jcitume.com. C'était Serge Kakinembe. Une bonne soirée à vous tous, un bon dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Merci, ciao, bye.